cette nouvelle vidéo après une semaine d'absence. Et oui, encore, je m'en excuse, j'étais débordée par le travail, etc. Donc je vous mettrai toutes les infos du pourquoi, du comment. J'étais pas là en barre d'infos pour ceux que ça intéresse vraiment. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en collaboration avec Alison de la chaîne Cookies Fantasy, que vous devez sûrement connaître, ou si vous ne la connaissez pas, allez vite voir sa chaîne parce qu'elle est juste géniale. Donc je vous mettrai tous les liens, vous pouvez la retrouver dans la barre d'infos ainsi que le lien de sa vidéo. Et donc on a décidé de vous faire une collaboration sur le thème photo fort. On va vous présenter plusieurs DIY chacune sur comment réaliser des photos fort sur un thème. Donc on a choisi chacune un thème différent. Alison a choisi le thème automne-hiver et moi j'ai choisi le thème Halloween parce que je vous avais posté une photo sur Instagram disant quel tuto aimeriez-vous et vous avez été vraiment super nombreux à me répondre des tutos Halloween. Donc j'ai vraiment décidé de, durant ce mois d'octobre, vous faire pas mal de vidéos Halloween. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc le premier bougeoir est un bougeoir à paillettes que je trouve juste trop chou. Donc pour le réaliser, vous aurez besoin de paillettes de couleur de votre choix, d'un pinceau, d'un pot en verre pour faire le bougeoir, d'un récipient pour le mélange et d'un autre récipient plus grand pour éviter de mettre des paillettes partout. On va également avoir besoin de colle liquide qui est un rendu transparent, c'est vraiment très important. Donc moi j'ai utilisé de la Mod Podge. Puis on va venir verser la colle dans le récipient et on va venir y ajouter les paillettes. Donc plus vous mettrez de paillettes, plus l'effet donné sera opaque et moins vous en mettez, plus sera parsemé. Donc moi j'en ai quand même mis pas mal et vous pouvez voir que ça fait un effet un peu sable, pas très joli, mais bon, au séchage la colle va complètement disparaître, donc ça rendra un effet vraiment magnifique avec que les paillettes. Donc je vais ensuite peindre mon petit bougeoir avec mon pinceau, donc, et je ne le peins pas jusqu'au bout pour qu'on voit quand même un petit peu les lueurs de la bougie. Je trouve ça plus joli. Et donc comme il me restait de la matière, j'ai fait également deux petits pots en céramique et le rendu est juste trop mignon pour décorer une chambre, je trouve ça juste parfait. Donc voilà le bougeoir terminé, il vous reste plus qu'à mettre une petite bougie chauffe-plat à l'intérieur et à profiter de la petite lumière un soir d'automne. Le deuxième bougeoir est un bougeoir que j'ai nommé petit trou parce qu'il a plein de petits trous. Enfin bref, donc pour réaliser, vous aurez besoin de peinture ardoise, d'un pinceau éponge, de petits stickers de n'importe quelle forme ainsi que d'un verre pour faire le bougeoir. Donc on va commencer par coller nos autocollants là où l'on veut qu'il y ait les trous sur notre bougeoir. Donc moi j'en ai mis je sais pas combien, mais j'ai fait un peu d'espèce de losange. De toute manière, les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà, j'en ai mis quand même pas mal parce que je veux que ça ait un joli rendu. Puis ensuite sur une palette, je suis venue mettre ma peinture ardoise et avec mon pinceau éponge, je suis venue peindre le tout en tapotant. Voilà, c'est vraiment important de tapoter, de pas peindre parce que sinon l'effet ne sera pas joli et ça risquera vraiment de baver sous les stickers et c'est pas trop ce qu'on veut. Une fois que c'est bien sec, on vient retirer les stickers. Donc je vous conseille vraiment pas de prendre des stickers comme j'ai pris parce que en fait ils se sont effrités, ils sont cassés en deux. Du coup il y avait de la colle partout, c'était juste dégueu. Mais pour y remédier, j'ai tout simplement imbibé un petit coton-tige de dissolvant et voilà, le rendu est nickel. Et voilà, le bougeoir est déjà terminé. Pareil, vous n'avez plus qu'à mettre une petite bougie et admirer. Le troisième bougeoir est un bougeoir sanglant où j'ai écrit dessus trick or treat, qui signifie un bonbon ou un sort en anglais. Et donc pour le réaliser, vous aurez besoin d'un pinceau éponge, d'un pinceau fin, d'un crayon à papier, de peinture blanche, de peinture vitrail rouge, de papier autocollant transparent et d'un pot pour faire votre bougeoir. On va commencer par écrire notre phrase ou nos mots sur le dos de notre papier autocollant, mais attention, il va falloir écrire les mots à l'envers, c'est vraiment super important. Sinon, si vous écrivez votre mot à l'endroit, ça va apparaître à l'envers sur le bougeoir. Donc là, je pense pas que vous compreniez vraiment ce que j'essaie de vous dire, mais par la suite, ce sera logique, vous verrez. Donc ensuite, je suis venue découper toutes les formes et je suis venue les coller donc sur mon verre où est-ce que je voulais écrire les mots. Touch the ground and it feels like I can see.
Et donc, comme vous pouvez le voir, les mots, enfin les lettres sont écrites à l'endroit quand j'ai tout fini de coller. Donc, on voit pas très bien passer du papier autocollant transparent, mais vous verrez mieux quand ce sera peint. Donc, justement, en parlant de peinture, je vais venir peindre mon verre en blanc avec la même technique que tout à l'heure, donc avec un pinceau éponge, voilà, et bien en tapotant, pas en peignant. Et je suis venue passer, je crois, 2 ou 3 couches, voilà, pour avoir un rendu bien opaque. Donc voilà le rendu quand j'ai fini de peindre, et là on peut mieux distinguer les lettres. Donc vous voyez que les mots sont écrits à l'endroit. Puis ensuite on va venir faire les dégoulinures de sang. Donc pour ça j'ai pris de la peinture vitraille et un pinceau plus fin, et je suis venue faire un effet de dégoulinure. Et j'ai donc passé 2 couches de peinture vitraille pour avoir un rendu plus rouge sang. Donc voilà le rendu. Et maintenant on va venir tout de suite nettoyer notre pinceau parce que la peinture vitraille ne part pas à l'eau. J'ai testé, ça ne part bien qu'avec du dissolvant, donc je suis venue imbiber un coton de dissolvant tout simplement, et j'ai nettoyé mon pinceau. Et voilà, et donc la dernière étape maintenant, c'est de venir retirer tous les autocollants, donc voilà, pour avoir ensuite notre mot qui apparaît. Donc allez-y quand même assez délicatement, et s'il y a des petites bavures, n'hésitez pas à prendre un coton imbibé de dissolvant pour enlever l'excédent. Et voilà, votre bougeoir est terminé. Le dernier bougeoir est un bougeoir citrouille. Comment faire une vidéo Halloween sans citrouille? Expliquez-moi. Donc vous aurez besoin de colle liquide transparente, d'un verre pour faire le bougeoir, de papier crépon noir et orange, ou papier de soie, je sais pas comment vous appelez ça, et d'un pinceau. On va commencer par prendre le papier de soie ou crépon orange et venir découper plein de petits bouts vraiment à l'arrache, c'est pas grave si les bords sont pas bien faits. Et on va ensuite venir prendre notre Mod Podge et le pinceau, et on va d'abord venir peindre sur notre verre, voilà, pour mettre de la colle. Et ensuite on va venir placer nos petits bouts de papier crépon et repasser de la colle par dessus. C'est très important de repasser la colle par dessus parce que comme ça, ça va permettre de superposer tout simplement les couches de papier crépon. Donc bien sûr il faut pas se faire des couches trop épaisses, sinon le rendu sera pas très beau. Ensuite dans le papier crépon noir, je suis venue découper 2 petits triangles pour faire les yeux de la citrouille que je place de la même manière que les bandes oranges. Donc bien sûr la première couche orange était déjà sèche quand j'ai fait ça. Et après toujours dans le papier crépon noir, je suis venue faire une bouche et pareil je viens la fixer. Et voilà, on attend que ça sèche et c'est fini. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Sur ça je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.